Bonjour à tous. Je vous remercie de votre attention pour les quelques annonces qui vont suivre. Au niveau du ministère de la prière, comme vous le savez, nous sommes en pleine 40 jours de prière. Alors, quelques précisions, vous le savez déjà, ça se passe sur le Zoom de l'église qui s'affiche derrière moi. Mais il y a des précisions sur le moment et les jours. Alors, à noter que du lundi au samedi, la réunion, donc ce moment de prière, pardon, se passera de 19h30 à 20h, du lundi au samedi. En revanche, le dimanche, et uniquement le dimanche, le rendez-vous est fixé de 19h pile à 19h30. Vous êtes tous conviés pour ces 30 minutes de prière de qualité. Nous poursuivons avec les activités du jour. Donc cet après-midi, toute l'église est conviée à 16h autour du thème suivant, connaissance de soi et relations humaines. Cette réunion sera animée par une psychologue clinicienne que je vous laisserai découvrir quand vous serez présents cet après-midi. Vous êtes tous conviés à 16h. De manière exceptionnelle, et j'insiste bien, de manière exceptionnelle, cet après-midi, il n'y aura pas d'activité JA, donc pas d'activité pour les explorateurs, pas d'activité pour les tisons. Toute l'église est attendue à 16h cet après-midi autour de ce thème. Au niveau de la MAE, en collaboration avec la liturgie et en vue du concert qui aura lieu le 17 décembre, la MAE et la liturgie recrutent des chanteurs et des chanteuses parmi vous. En préparation de ce programme, je vous invite à noter que les répétitions débuteront le dimanche 30 octobre. Pour plus de renseignements, vous êtes invité à vous rapprocher directement des responsables du MAE. Au niveau de la liturgie, comme vous le savez, la boîte à idées est tenue à votre disposition à l'entrée de la chapelle. Pour objectif, c'est que vous puissiez participer tout un chacun à la louange afin de louer notre Seigneur, de l'honorer. Pour cela, vous êtes invité à déposer vos idées de chant. Ils seront récoltés tous les premiers et deuxièmes sabbats de chaque mois. Ils seront tous étudiés par la responsable de la liturgie et seront préparés afin que nous puissions tous chanter. Dans la même optique, si tu as des talents et que tu veux participer à la liturgie avec ton église, tu es invité à poser ta candidature et à remplir le formulaire d'inscription qui est mis à ta disposition pour intégrer l'équipe liturgie et ou l'équipe technique, la sonorisation, la vidéo. Tu m'entends ? Non, tu m'entends pas. Merci. Nous passons aux annonces fédérales. Alors, l'association... je vais y arriver. L'association donc reprend les maraudes pour distribuer des repas et des soupes aux sous-abri. Donc c'est au niveau de Bagneux que ça se passe. Nous sommes tous conviés. Alors pour cela, si vous souhaitez participer, j'espère que ce n'est pas trop petit pour vous, mais vous pouvez contacter la personne par mail ou le numéro qui s'affiche derrière moi. La distribution aura lieu donc demain, dimanche 23, et le rendez-vous est fixé à la porte de l'Orléans à 16h45 afin de tendre la main aux sans-abri et leur distribuer des repas chauds. Vous le savez déjà, mais je le répète à nouveau, une rencontre est prévue pour le week-end des jeunes, alors les jeunes de 16 à 35 ans. Et cette rencontre débutera le 28 octobre au 1er novembre et ça se passe à la Croix-en-Touraine. Alors c'est un peu petit, mais vous avez toute l'information au niveau du site de l'église. Il faut impérativement s'inscrire pour participer à cet événement. Il y a un lien sur lequel il suffit de cliquer pour pouvoir s'inscrire et payer la cotisation qui est due pour pouvoir participer à ce moment. Au niveau du secrétariat et de la trésorerie, il y a une formation qui va débuter du 28 octobre au 30 octobre à la ferme de Court-Simon. Donc pour plus d'informations également, vous pouvez vous rapprocher directement sur le site de l'église. Ce slide sera disponible et vous avez toutes les informations. C'est un rappel. La fédération recherche un comptable en CDD, donc en remplacement d'un congé maternité. Si vous avez les qualités requises, vous êtes invité à bien vouloir postuler pour un contrat qui débute rapidement, puisque ce sera pour le début novembre. Toutes les informations sont affichées.
Je vous remercie pour votre écoute. Je vous demande de bien vouloir rester attentif et de bien vouloir garder la référence pour le culte qui va suivre. Je vous laisse avec les annonces récurrentes. Excellent sabbat. Et bienvenue à vous tous, chers membres, chers amis visiteurs et peut-être des personnes qui viennent pour la première fois. Je vous souhaite la bienvenue au nom de l'église de Puise-Pontoise. Soyez à l'aise, mais en même temps, à l'aise avec le Seigneur. Amen. Invoquons l'Éternel. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Oui, Père, nous avons soif de toi. Nos cœurs soupirent après toi et nous te prions que nous puissions nous abreuver à la source, que nous puissions nous nourrir de ta parole et que ton Esprit Saint nous éclaire au nom de Jésus. Amen. Amen. Louange à Dieu qui vit dans les cieux. Prenez la position que vous voulez pour le moment de louange. Comment allez-vous ce matin? Je voudrais déjà remercier Dieu pour le soleil. Ce n'était pas franchement gagné cette semaine. Remercier Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne une fois de plus de pouvoir le louer ensemble ici. Tout le monde ne peut pas le faire en fonction des pays et des situations. J'imagine que tout le monde n'a pas pu venir ce matin pour diverses raisons. Mais que Dieu soit loué parce que peu importe où nous sommes finalement, nous pouvons louer le Seigneur avec les moyens qu'il nous donne.
Je vous invite pour débuter ce moment de louange à prendre avec nous ce chant qui dit « Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis ». Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons continuer à adorer, témoigner notre amour pour Dieu au travers de ce chant qui dit « La force est dans le... » Comment ? Amen. « Ma force est dans le sang de Christ. Veux-tu briser du péché du pouvoir ?» Je suis fort, fort.
Alléluia. Dieu nous rend fort lorsque nous sommes faibles et nous donne la force d'avancer. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Il ne sera pas chanté tout à fait comme d'habitude. Je vous invite à vous mettre debout. Je vous invite à nous suivre. Ce sont les mêmes paroles du cantique chanté sur un autre air qui est très doux et qui honore autant les paroles du chant. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le qui ne manque jamais dans la détresse. Dans cet esprit, nous allons prendre la dernière strophe. Pendant les jours d'orage. Pendant les jours d'orage, d'obscurité des fois, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour.
Frères et sœurs, si Dieu n'avait pas mis de la louange, ce ne serait pas cela. Mais nous sommes heureux, frères et sœurs, de louer ce Dieu. Et le texte que Dieu m'a inspiré se trouve dans le psaume 106. Louez l'Éternel, célébrez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Qui pourra dire l'extraordinaire façon d'agir de l'Éternel et proclamer toute sa louange? Heureux ceux qui respectent le droit, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Interviens pour moi en accordant ton secours. Ainsi, je pourrais voir le bonheur de ceux que tu as choisis, me réjouir de la joie de ton peuple et partager les louanges de ton héritage. Nous avons péché comme nos ancêtres. Nous avons fait le mal. Nous sommes coupables. Nos ancêtres en Égypte n'ont pas compris tes miracles. Ils ne se sont pas rappelés le grand nombre de tes bontés. Ils se sont révoltés près de la mer des roseaux. Mais il les a sauvés à cause de son nom, pour faire connaître sa puissance. Il a menacé la mer des roseaux et elle s'est desséchée. Il les a fait marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les a sauvés de celui qui les détestait et il les a arrachés du pouvoir de l'ennemi. L'eau a recouvert leur adversaire, pas un seul n'a survécu. Alors ils ont cru à ses paroles et ils ont chanté ses louanges. Mais bien vite, ils ont oublié ce qu'il avait fait. Ils n'ont pas attendu la réalisation de ses plans. Ils ont été saisis de convoitise dans le désert et ils ont provoqué Dieu dans les lieux arides. Il leur a accordé ce qu'ils demandaient, puis il a envoyé le dépérissement dans leur corps. Oui, ils se sont rendus impurs par leurs actes et ils se sont prostitués par leur agissement. Mais sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations. Ainsi, nous célébrerons ton saint nom et nous mettrons notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et tout le peuple dira Amen. Louez l'Éternel. Prosternons-nous et adorons ensemble. Notre Père et notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, voici tes créatures, le troupeau de ton pâturage que Jésus a racheté par son sang. Nous voici devant ton trône par la foi, Seigneur. Oui, tu nous permets, à travers la prière, d'entrer dans ta salle d'audience et de plaider avec toi. Oui, béni sois-tu, grand Dieu. Il n'y a sous le ciel ni sous la terre aucun autre Dieu comme toi. C'est pourquoi tous genoux fléchissent devant toi, car toi seul tu es Dieu. Et c'est pour ça, Seigneur, nous voulons faire silence dans nos cœurs, afin que par ta présence, Seigneur, que nous reconnaissons que tu es, tu seras et tu resteras le seul Dieu. Oh, béni sois-tu, Père. C'est dans le nom de Jésus, notre grand frère, celui qu'on vient de chanter, par son sang, nous sommes plus que vainqueurs. Par son sang, il nous a rachetés pour toi, Dieu. Nous étions errants comme des brebis sans berger. On ne savait où aller. Mais un jour, Seigneur, tu nous as appelés et tu as fait de nous ce peuple, un peuple qui t'honore, un peuple qui te loue et qui te glorifie. Mais avant tout, Seigneur, à l'expérience d'Israël, ô Dieu, nous venons dans la confusion parce que nous sommes pécheurs. Oui, Seigneur, quand le Saint-Esprit découvre notre esprit, tout est inscrit. C'est pourquoi rien n'est caché à ton regard de flamme. Seigneur, nous avons péché.
Oui, cette semaine, Seigneur, nous nous sommes écartés d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi ne rentre pas en jugement avec nous. Mais dans le sang de Jésus qui plaide en ce moment devant l'arche de l'Alliance pour plaider pardon, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne ton peuple, chacun d'entre nous, soit en pensée, en parole, en attitude, même nos sentiments, nos actions même cachées. Seigneur, tout est nu devant toi. C'est pourquoi sous le livre de vie, marque Jésus, pardon. Tous ceux en ce moment qui font monter vers toi leur confession, marque pardon Jésus par ton sang. Merci Jésus. Merci pour le pardon par la foi que nous obtenons maintenant. Et maintenant, Seigneur, tu nous as dit quand nous sommes purifiés, nous avons été lavés, tu nous demandes de demander. Mais avant de te demander quoi que ce soit, nous voulons te dire merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour toutes les bénédictions que nous avons eues, même si nous avons eu des hauts et des bas. Mais en ce sabbat, chaque sabbat, alléluia, tu viens renouveler la force de ton peuple. Ô Seigneur, viens et tiens ton peuple dans tes bras d'amour. Ce Dieu si tendre et si compatissant. Nous savons que ce sont nos péchés qui nous éloignent de toi, mais le don gratuit de Jésus, c'est de nous ramener dans tes bras d'amour. Seigneur, ton peuple est venu chargé avec des soucis, des difficultés de la semaine. Mais merci pour le sabbat, que nous pouvons tout déposer, pas à la maison, non, mais loin, et que notre cœur soit le réceptacle du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, bénis ton peuple, du plus petit jusqu'au plus grand, et prends soin de ton peuple, Seigneur. Ô Dieu, j'ai à l'esprit à ce moment des familles qui sont endeuillées, des familles qui ont perdu des proches. À l'instant même, Seigneur, il y a cette souffrance dans les cœurs, cette douleur qui arrache les êtres bien-aimés. Mais nous avons vu cette semaine dans la leçon que le Dieu d'Israël, le Dieu qui a remporté la victoire sur la mort, a triomphé par le sang de Jésus. Merci Jésus pour cette espérance que tu mets dans le cœur de tes enfants. Seigneur, Saint-Esprit, toi le consolateur, console les âmes en ce moment, ceux qui sont abattus par la perte d'un proche. Merci Jésus, tu le feras, car tu as dit, tu es avec celui qui est dans la détresse. Seigneur, merci encore. Parmi nous, il y a des amis qui sont venus pour adorer avec nous, peut-être pour la première fois, Seigneur. Je te demande une grâce pour eux et pour elles, de les toucher, de les bénir, de les soutenir et de leur donner la foi de croire que leur présence a été une bénédiction pour eux. Seigneur, ceux qui sont à la maison, qui nous regardent, ceux qui sont sous le net, bénis-les, Seigneur, et touche-les. Répands ta grâce sur ton peuple, Seigneur, qui sont malades à l'hôpital, dans leur convalescence. Ramène-les petit à petit et fortifie leur foi. Seigneur, tu as appelé ta servante. Ô Saint-Esprit, que tu prends possession d'elle. Qu'elle soit cachée derrière la croix et que Jésus utilise ses lèvres et que l'eau qu'elle a, Seigneur, alléluia, qu'elle a, doit distribuer pour ton peuple, Seigneur, soit fait sous l'action du Saint-Esprit. Que nos cœurs s'ouvrent et puis Jésus vient la remplir. Débarrasse-nous de nous-mêmes et remplis-nous de ta présence. Seigneur, tu nous as permis de travailler, bénis la dîme et les offrandes. Merci, Seigneur, de savoir des hommes et des femmes iront aux confins de la terre avec cet argent pour témoigner que Jésus revient. Seigneur, fortifie ton peuple. Réponds ta grâce et ta bénédiction et que seul ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Amen. Je m'abandonne à toi, tu peux.
pour le service de fidélité. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 9 et versets 7 à 8. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Amen. Sur cela, nous allons écouter le chant de circonstance. Merci bien. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Ah, j'ai pas entendu. Bonjour. Ah, voilà, ça fait plaisir de vous retrouver. Est-ce que vous allez bien? C'est les vacances, c'est pour ça. Eh ben oui, quand c'est l'école, vous allez bien aussi. Ouais, bon, c'est beaucoup plus timide. Alors, est-ce que vous savez de quoi on parle tout au long du mois d'octobre? Il y a un thème ce mois-ci. Est-ce que vous le connaissez?
Non. Non. Qui connaît le thème du mois à l'église? La santé. Tout au long du mois, on a parlé de la santé. Vous ne saviez pas? Ah ben maintenant, vous le savez. Jusqu'à la semaine prochaine, on parle encore de la santé. C'est quoi la santé pour vous? Oui. Et qu'est-ce qu'il dit? Oui, c'est bon ça l'herbe. Moi, je sais pas. Hein? Oui, effectivement. Qui fait du sport ici? Ouh, il n'y a pas beaucoup de personnes. Hein? Bon. OK. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une petite fille qui vivait dans les îles. Un jour, elle sentit qu'elle avait mal à son genou. Donc, elle alla voir sa maman. Lorsque vous avez mal, qu'est-ce que vous faites? Tu mets de la glace sur l'endroit où tu as mal. OK, les autres, qu'est-ce que vous faites quand vous avez mal? Oui? Oui, on va voir maman, mais qu'est-ce qu'on dit à maman? J'ai mal quelque part, oui. Et oui, surtout au genou, oui. De la glace, d'accord, OK. Bon, eh ben, du coup, le premier jour, elle alla voir sa maman pour lui dire « j'ai mal au genou ». Alors maman, elle regarda, bon, il n'y avait pas de cou, il n'y avait pas de bleu, il n'y avait pas de plaie. Elle se dit « bon, c'est bizarre ». Elle dit « écoute, on verra, on observe. Quand vous avez mal, vous ne prenez pas un petit truc pour la douleur ?» Qu'est-ce qu'on prend? De la glace à la vanille? Qu'est-ce qu'on prend? Du Doliprane éventuellement. Qu'est-ce que tu prends quand t'as mal? De la crème, on peut aussi masser. Oui, ça c'est très bien. Donc, maman lui dit, écoute, je vais te donner un petit peu de sirop pour la douleur et puis on va masser. La semaine d'après, elle avait encore mal et ça a duré plusieurs semaines. J'ai mal. Et là, maman lui dit, on va aller voir qui? On va aller voir le médecin. Mais lorsqu'on a mal au genou, est-ce que le médecin il peut voir comme ça ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire quoi? J'ai pas compris. Oui? Il faut faire une radio. Vous savez ce que c'est, une radio? Oui. Alors, comment ça se passe? Ah bon, d'accord, effectivement, c'est une photographie de l'intérieur du corps. Et là, effectivement, la radiologie a démontré qu'elle avait une maladie grave. Et oui, elle avait une maladie grave à son genou. Alors, dans les îles, on ne pouvait pas la soigner. Donc, qu'est-ce qu'elle a dû faire, d'après vous? Quoi? Elle a dû voyager, elle a dû prendre l'avion pour venir ici en France voir des spécialistes. Mais c'était, des spécialistes, et oui, des gens qui savent comment faire pour nous guérir. Mais ça a été difficile parce qu'il fallait quitter sa maison, quitter ses frères et ses sœurs. Est-ce que vous pensez que ça aurait été facile pour vous de partir comme ça du jour au lendemain? Et non. Elle a beaucoup pleuré, mais comme elle avait mal et qu'elle voulait guérir, elle est partie. Arrivée ici, elle a été hospitalisée. Donc, elle est restée à l'hôpital. Il y a des hôpitaux pour les enfants. Il y en a un qui n'est pas très loin d'ici, à Margency. Tu connais? Tu en as entendu parler? Il y en a plusieurs aussi à Paris. Et dans cet hôpital, on peut faire l'école. Oui, on peut aller à l'école. On peut apprendre également des choses. Il y a aussi des activités. Alors oui, elle a fait des dessins, tout à fait. Elle a fait des dessins. Heureusement, ça lui permettait d'oublier la douleur à son genou et tous les examens qu'elle devait faire. Oui, quand on a pas mal. Elle est donc restée dans cet hôpital plusieurs mois.
Et ça a été compliqué. Il y a des jours où il y avait des bonnes nouvelles, elle se sentait bien, mais il y a des jours où elle se sentait vraiment pas bien. Et qu'est-ce qu'elle a fait d'après vous? Elle a prié, oui. Elle a prié et on s'est tous mis à prier pour elle. Est-ce que vous priez pour les malades? Combien de fois? 7 fois par jour ou 7 fois par semaine? Donc, une fois par jour, vous priez pour les malades? OK. Ceux que vous connaissez ou tous les malades? Tous les malades, c'est important. Oui, il faut prier pour ceux qu'on connaît, mais aussi pour tous ceux qu'on ne connaît pas, parce qu'à l'hôpital, il y a beaucoup d'enfants, hein? Et oui, il y a des hôpitaux, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller la voir, cette petite fille, et ça fait beaucoup de peine. Il y a des bébés, il y a des enfants comme vous, il y a des adolescents. Enfin bref, il y a beaucoup d'enfants qui sont à l'hôpital et c'est triste parce qu'ils souffrent. Alors, on a prié et d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Et oui, Dieu a exaucé sa prière. Et elle fut guérie. Amen. Et quelques mois plus tard, eh ben, cette petite fille a pu retourner dans les îles, retrouver ses frères, ses sœurs et sa maison. Et ses copains. Et elle a pu retourner à l'école, la vraie école. Oui. Alors, je vais vous laisser un verset. Je ne sais pas si quelqu'un peut le lire. Est-ce que tu le vois? Voilà, alors vas-y, lis bien fort. Qui guérit toutes tes maladies. Amen. Dans Jean 3, verset 3. Et c'est lui, c'est qui? Jésus qui guérit. Ok, alors vous savez quoi? On va se mettre et on va dire merci Jésus pour la guérison. Alors, je vais vous entendre. Hein? Ensemble, on va dire merci Jésus pour la guérison. Vous êtes prêts? On y va. Ah ben non, je veux plus de conviction. Merci Jésus pour la guérison. Encore. Merci Jésus pour la guérison. Vous savez, c'est important. Parce que là, on a mis de la conviction dans ce qu'on a dit. Et je suis sûre que parmi nous, il y a des personnes qui ont peut-être mal quelque part ou qui ne se sentent pas bien. Et ces personnes reçoivent le message. Alors, on va le dire une dernière fois avec beaucoup de force. Merci Jésus pour la guérison. Eh bien, bon sabbat et soyez bénis. Jésus dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Pour nous, quelle joie de savoir cela. Jésus dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Le chant que ma coupe déborde. Thank you.
Le texte de méditation se trouve dans Proverbes chapitre 4 et le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole dans nos cœurs et que nos cœurs soient ouverts à l'action du Saint-Esprit. Alors, pendant l'histoire, notre sœur Samantha a mentionné le thème de ce mois, le thème de ce mois qui est la santé. Et c'est vrai qu'on a débattu de certes, beaucoup de sujets, mais notamment on a beaucoup parlé de la santé, je dirais ce qu'on mange. Ce qu'on mange, qu'est-ce qu'effectivement l'Éternel nous a donné comme règle, comme observation pour maintenir notre corps physique en bonne santé. Mais la santé ne concerne pas que le manger et le boire. La santé concerne aussi notre état psychique, cognitif. Donc, ce qui se passe dans notre cerveau, dans nos pensées, dans notre cœur. Et là, c'est quelque chose, au-delà même du manger et du boire, quand dans la tête, quand dans les pensées, dans le cœur, ça ne va pas, ça peut être destructif. Et donc, ce matin, moi, je vais aborder ce thème sur la santé psychique. Et cet après-midi, effectivement, nous avons une rencontre de 16h à 18h. Avec une psychologue clinicienne sur justement nos relations, notre connaissance de nous-mêmes pour comprendre quels sont les mécanismes qui font qu'à un moment donné, dans notre esprit, ça ne va pas. Pas forcément que pour nous, mais vis-à-vis des autres. Je vous invite à prier. Père éternel, tout est entre tes mains. Tu connais toutes choses, mais tu nous donnes tout aussi. Mais tu nous demandes une chose. C'est de nous tourner vers toi et de remplir notre esprit tout entier, notre corps tout entier de ta présence et de ton Esprit Saint pour que nous puissions aller mieux. Père, ce message, il est de toi. Alors que tu remplisses nos cœurs de ta présence. Amen. Alors je vais vous poser une question, pas les adultes. Les enfants, est-ce que vous avez déjà mangé une orange amère ? Vous savez ce que c'est qu'une orange amère? Et qu'est-ce que ça a fait quand vous avez mangé l'orange amère? C'est pas bon. Pourquoi ce n'est pas bon? Oui. C'est l'orange amère a un goût salé. Non. Alors, qu'est-ce que ça fait? Comment, quand vous avez mis l'orange dans la bouche, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dit, c'est bon. Est-ce que vous avez fait ça? Qu'est-ce que tu as fait? Oui, Kimia, qu'est-ce que tu as fait quand tu as mangé, quand tu as goûté? Ah, vous avez craché. Effectivement, quelque chose qui est amer, ça, la saveur est rude, désagréable, aigre. On a envie de prendre quelque chose de sucré rapidement pour faire passer ce goût parce que c'est insupportable. Effectivement, aimer l'amer n'est ni inné. Ça veut dire qu'on ne naît pas avec ce besoin du goût amer. Et ce n'est pas non plus facile. Parmi les saveurs fondamentales, c'est-à-dire celles dont on a à ce jour entièrement identifié les mécanismes, l'amertume, donc amertume, quand on mange quelque chose, on dit « Oh là là, il y a une amertume dans ce fruit ou dans ce repas. » L'amertume est sans conteste le plus difficile d'accès. Et chez l'enfant, comme Kimia a dit, naturellement attiré par le sucré, l'amer provoque grimaces, dégoût, rejet. Et cette amertume, au-delà du manger, du fruit, de la nourriture, cette amertume est quelque chose au-delà même de ce qu'on pense. Lisons Exode 15, prenons le passage, Exode 15, versets 22 à 24. Exode 15, versets 22 à 24. Ce passage évoque la sortie du peuple d'Israël d'Égypte.
Avant ce passage, à partir du verset 22, il y a une louange extraordinaire parce que le peuple hébreu est libéré. Le peuple hébreu est parti d'Égypte où pendant 400 ans, ce peuple était oppressé, sous la servitude. Et donc ce peuple, comme Moïse leur a dit, ils avaient peur à un moment. Les Égyptiens sont derrière nous et en face de nous, on a la mer Rouge, on n'a pas d'issue. Et donc, ils vont voir la grandeur de Dieu, ce que Dieu va faire pour eux. Et à la sortie, quand ils verront les Égyptiens, voilà, dans la mer Rouge, eux, ils sont sauvés, il y aura cette louange. Mais le texte nous dit, à partir du verset 22, « Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur et, après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous ? » Donc, après quelque chose de grandiose, ce peuple arrive devant une difficulté majeure. Et cette difficulté, c'est qu'on a soif. Ça fait 3 jours qu'on marche, on est dans un désert, il n'y a rien à boire. Et on arrive, on peut s'imaginer, des fois, je pense que certains films, vous l'avez vu, les gens qui marchent pendant un certain temps, et quand ils voient ce point d'eau au loin, ils se mettent à courir, à courir, à courir, et ils se jettent dans, voilà, cette source d'eau pour boire, pour boire. Et là, c'était la même déception que pour le peuple d'Israël. Ils sont arrivés vers ce point d'eau. On peut s'imaginer, ils se sont tous jetés là-dedans, la plupart, pour ceux qui étaient devant, et ils se sont mis à boire. Et là, berk ! C'est pas ça. Ce n'est pas de l'eau. Ce n'est pas de l'eau buvable. Et ce peuple va commencer à murmurer. En fait, ce murmure, comme on dit, ce n'est pas forcément contre Moïse, mais on verra plus tard. Et donc, ils sont en train de se demander, mais que boirons-nous à Moïse ? Pourquoi tu nous as fait arriver là et maintenant on est en échec, on a soif, on ne peut boire ? Le peuple se décourage devant cet obstacle dans le chemin. Ils vont boire à ces sources de Mara. Le goût amer de l'eau les remplit de colère. Tout ce que ce peuple a vécu il y a quelques jours, il l'a oublié. Même la louange il y a 3 jours, ils l'ont oublié. Un sentiment mêlé de colère, de rancœur envahit la multitude. Suite à cet échec, c'est la désillusion. Dieu les a envoyés dans le désert pour y mourir. En fait, leur murmure contre Moïse, ce n'est pas ouvertement, ce n'est pas encore vraiment Moïse vers Moïse, c'est implicitement vers Dieu. Puisque comme Moïse leur a dit en Égypte, c'est Dieu qui va vous délivrer. Évidemment, Moïse physiquement est debout là, mais c'est implicitement vers Dieu, contre Dieu qu'il murmure. Et en fait, on verra que dans tout le périple du peuple d'Israël, pendant 40 années dans le désert, ce sera sans cesse des murmures. Ce sera sans cesse, pour un oui, pour un non, des murmures. Et l'amertume va gagner le cœur de ce peuple. L'amertume, ce qui est amer, ce qui est mauvais, ce qu'on rejette. Il y a des sentiments qui sont bien cachés et qui nous empoisonnent la vie et la rendent bien pénible. Un de ces sentiments, c'est l'amertume. Combien de fois, quand les événements ne se déroulent pas comme nous l'espérons, ne sommes-nous pas amers ? Est-ce que cela ne nous est jamais arrivé ? L'injustice, l'humiliation, les désillusions et les déceptions sont des poisons qui se distillent lentement et produisent dans le cœur des relents amers. L'amertume détruit tout, notre santé, nos relations, notre avenir. Elle détruit les familles, les églises, et même des guerres ont été déclenchées à cause d'elle. Et on n'a même pas besoin d'aller vers ces guerres
je dirais, mondiale. Première guerre, deuxième guerre. Là, on est en train de se poser, est-ce qu'il y en aura une troisième? Mais on peut, dans notre champ limité, famille, relations amicales, église, est-ce que, quelquefois, à travers notre amertume, ce sentiment négatif, nous ne pouvons pas déclencher des guerres. Le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 8, versets 10 à 11, nous parle aussi de l'amertume. Et cette amertume, malheureusement, nous empêche de rentrer pleinement dans les plans de Dieu. Apocalypse, chapitre 8, le verset 10. Il est dit, versets 10 à 11, il est dit ceci. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Alors, on peut se demander, mais en fait, déjà d'une part, l'absinthe, qu'est-ce qui connaît l'absinthe? On a déjà entendu parler de cette boisson absinthe. Cette boisson, c'est une sorte de boisson. Déjà, la fleur absinthe, c'est une fleur jaune. Et à un moment donné, on faisait une boisson qui s'appelait l'absinthe, qui était fabriquée dans le nord-est, du côté de Pontarlier. Et cette boisson était très amère. Et au début des années 1900, le gouvernement a interdit cette boisson en France parce qu'elle avait des effets négatifs sur le cerveau. Et donc, on peut, en revenant dans Apocalypse 8, on peut se poser la question, cette étoile absinthe, qui est cette étoile absinthe? Dans Luc 10, verset 18, Jésus va dire ceci à ses disciples quand ils vont revenir d'une mission, où ils vont guérir des personnes, ils vont chasser des démons. Jésus leur dit ceci, « Je contemplais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Et cette étoile absinthe qui empoisonne, qui a empoisonné, continue d'empoisonner les eaux, qui continue d'empoisonner notre santé sur la terre entière, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui est descendu et qui a empoisonné les eaux par son amertume. Elle a fait des ravages sur la terre et la santé de ce monde est atteinte à un tel degré que beaucoup d'hommes meurent d'avoir bu l'eau empoisonnée. Et nous le savons. Nous savons que cette étoile qui a été chassée du ciel, parce que justement, dans cette étoile qui est l'ange, qui était cet ange de lumière, qui voulait être au-dessus de Dieu, l'étoile absinthe, l'orgueil, l'envie, la jalousie, la frustration ont créé de l'amertume qui a pris racine en lui. Ses ambitions n'étaient pas réalisables. Il voulait avoir la puissance de Dieu, être au-dessus de Dieu, mais il ne voulait pas avoir le caractère d'amour de Dieu. Et c'est là toute la différence. Quand l'amertume pénètre nos cœurs, nos pensées, on ne peut s'imaginer. Bien sûr, on va dire, oui, ça va bien, mais quand ce poison commence à nous titiller par des choses que nous avons, on ne sait pas pourquoi, mais ça commence à prendre racine. Là, nous avons un problème psychique et en tant que chrétien, spirituel. L'apôtre Paul dit dans Hébreux 12, verset 15, « Veillez, Hébreux 12, verset 15, veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » Est-ce que nous ne pouvons pas être empoisonnés par des choses, mais bien souvent futiles,
peut-être on a envie de quelque chose. Tiens, pourquoi moi je ne peux pas faire ça? Et l'autre le peut. Il y a des choses qui nous empoisonnent la vie, on ne se rend même pas compte de ce poison qui tombe sur notre cœur. Et ce poison, c'est notre ennemi qui le met. Parce que lui, c'est l'amertume personnifiée. Et quand cette amertume tombe sur le cœur des êtres humains, on n'a qu'à regarder dans le monde ce qui se passe, mes amis. On n'a pas besoin de dire qu'aujourd'hui, depuis que la terre existe, depuis que le monde, Adam et Ève ont péché, on n'a qu'à regarder ce qui se passe depuis ce temps-là et comment le cœur de l'être humain peut être rempli de ce poison qui est l'amertume. On n'arrive pas à créer de relations. On n'arrive pas à être bien les uns avec les autres. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas, nous ne le voyons pas, nous ne sentons pas que nous le buvons, mais nous le buvons quand même. Parce que les pensées mauvaises sont là. La rancœur est là, l'orgueil est là, la jalousie est là, la frustration est là. Et nous buvons à petites gouttes ce poison. L'amertume, lorsque l'amertume prend racine en nous, elle cause toutes sortes de problèmes dans nos vies et souille tout le monde autour de nous. Aigris, nous devenons colériques, sommes constamment sur la défensive, accusons et rejetons la faute sur les autres, recherchons constamment la petite bête et exigeons que les autres soient à la hauteur lorsque nous ne le sommes pas nous-mêmes. L'amertume commence toujours par un sentiment d'injustice, une humiliation, une offense non pardonnée. Et tranquillement, Satan, comme une araignée, va tisser sa toile pour nous empoisonner. Dans le cœur de l'être humain, les sentiments négatifs peuvent l'entraîner dans des situations graves, jusqu'à la destruction. Nous avons plusieurs solutions. On nous dit qu'on peut rejeter cette amertume. Cette amertume peut être rejetée par l'homme, mais on peut aussi choisir de vivre avec cette amertume. Mais je dis, moi, je ne veux pas que l'étoile absinthe tombe dans mon cœur. Alors ne laissons pas l'étoile absinthe tomber dans notre cœur. Arrêtons de boire de cette eau amère, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Vous pouvez vous demander, mais comment je vais transférer ma racine, cette eau empoisonnée, vers l'autre? Ah ben, en fait, nous sommes des vases d'argile. On le dit, hein, nous sommes ces vases d'argile. Ah ben, ce qui va sortir de moi, c'est ce que je vais donner à l'autre. Si je n'ai pas quelque chose de positif, je ne pourrai pas donner quelque chose de positif à l'autre. Je ne pourrai donner que des choses négatives. Et donc, nous avons besoin de travailler, de déraciner. Ceux qui ont des jardins ou même que des fleurs ou des plantes en bac savent quand il y a une mauvaise plante. On ne va pas la tailler, on va la déraciner jusqu'à creuser la terre pour aller chercher la moindre racine qui pourrait rester dans cette terre pour repousser plus tard. Et c'est ça, déraciner cette amertume. Éphésiens 4, verset 31 dit aussi que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et c'est là que je me dis, quand je regarde le sacrifice de Jésus-Christ, quand j'en prends pleinement conscience, je me dis, mais Seigneur, qui suis-je pour que tu puisses mourir pour moi? Je ne suis pas mieux que quiconque. J'ai aussi peut-être mon amertume, j'ai aussi peut-être mes choses mauvaises. Mais quand je vois comment Jésus-Christ, il n'a pas regardé à ce que nous sommes, à ce que nous étions, ah ben, il s'est sacrifié par amour pour nous. S'il avait regardé au-delà même de ces 2000 ans qui sont passés, ce que nous serions aujourd'hui, il se serait dit peut-être,
moi, ces gens-là, ils ne vont pas changer. Ils seront toujours pareils. Est-ce que je vais me sacrifier pour eux? Mais l'amour immense qu'il a fait qu'il a, il s'est sacrifié pour nous. Même s'il savait qu'au-delà de tout cela, on continuerait. Mais grâce à Dieu, et je remercie l'Éternel, parce que je sais que cet amour me permet et permet à chacun de nous de retrouver sa grâce et de déraciner cette amertume. Et je dis merci, Seigneur, pour le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Dans Jean 4, et Jésus va nous donner aussi cet espoir, cette espérance, dans Jean 4, où nous connaissons tous l'histoire de la femme samaritaine. Nous voyons cette femme qui va, à partir, pour ceux qui cherchent, c'est Jean 4 à partir du verset 7. Jésus est parti, il va dans un autre village, il va vers Samarie, et à un moment, il a faim, il a soif, il s'assied sur un puits. Ses disciples sont partis acheter à manger. Et donc, du coup, il y a cette femme qui arrive. Et Jésus, elle est seule, pourtant à une heure où, voilà, il n'y a pas grand monde qui vient, elle est seule. Et Jésus va demander à cette femme de lui donner à boire. Et cette femme, on sait, va poser la question, elle est samaritaine, Jésus est juif. Dire, comment se fait-il qu'un juif puisse parler avec une samaritaine, puisqu'on sait que le contexte de l'époque fait que les juifs et les samaritains ne se parlaient pas. Tout ça parce que les juifs se pensaient au-dessus des samaritains. Et cette femme, parce qu'elle va raconter de son expérience passée, de la vie qu'elle mène, Jésus va lui dire une chose extraordinaire. Jésus va lui dire, si tu connaissais le verset 10, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Et c'est ce que Jésus veut pour chacun de nous, que nous puissions boire de l'eau vive. L'eau vive, c'est cette vie abondante que Jésus-Christ veut pour chacun de nous. Il veut que nous puissions boire à la source pure, la source qui n'est pas empoisonnée, et c'est ça qu'il veut pour chacun de nous. Et il nous donne cette espérance, cet espoir. Et la femme va lui demander, oui, qu'elle veut boire. Jésus lui dit au verset 13, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, en parlant de l'eau du puits. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mes amis, quand nous commençons à boire l'eau que Jésus nous donne, cette eau pure, cette eau vive, c'est pas pour boire qu'ici-bas, mais c'est pour boire dans la vie éternelle. Parce qu'on aura pris goût à cette eau. Et à chaque fois, on voudra en boire encore, 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 encore. Et c'est ça que Jésus veut pour nous. Il veut que nous puissions boire sans nous arrêter à cette eau pure et à cette eau vive. Cette eau pure, cette eau vive, le Saint-Esprit qui règne en nous, le Saint-Esprit qui réforme notre caractère, le Saint-Esprit qui nous aide à extirper les choses qui ne vont pas, qui vont empoisonner cette eau pure qui est en nous. Et c'est ça que Jésus veut pour nous. Il y a de l'espérance en Jésus. Il y a de l'amour en Jésus. Et c'est ça que nous devons comprendre, que Dieu ne nous a pas laissés sans issue, sans espoir. Et cet espoir, nous avons à nous. Nous devrions nous accaparer de cet espoir et se dire, oui, rien n'est perdu parce que le Seigneur règne et il m'a donné le médicament qu'il faut. Alors, nous pouvons avoir une vie faite d'expériences douloureuses. Et c'est vrai parce que chacun de nous, personne ne peut dire que voilà, la vie est facile, on n'a pas eu d'épreuves, on n'a pas eu d'expériences douloureuses. On a tous quelque chose, un vécu qui nous a fait mal. On en a tous. Et ces expériences nous ont peut-être rendus amers. Mais Jésus veut nous faire boire de l'eau vive. Nous n'aurons plus à boire de l'eau amère empoisonnée et nous n'en donnerons plus aux autres à boire de cette eau amère qui est dans notre cœur. Laissons Jésus dépolluer notre cœur. Et en fait,
Je veux dire une chose dans Apocalypse 22, verset 1. Cette espérance qu'il nous donne encore même dans ce passage du livre de la Révélation, il nous révèle ce qu'il veut faire pour nous. Apocalypse 22, le verset 1 et ensuite le verset 17. Et Jean va dire, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Vous vous rendez compte? L'eau de vie, ce n'était pas, c'est pas qu'un moment. Cette eau de vie coule dans la vie éternelle et Jean va voir cette eau de vie qui sort du trône de Dieu et il dit, « Et de l'agneau. » Et nous savons que l'agneau, c'est Jésus-Christ. Le verset 17 dit, « Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Merci mon Dieu pour cette eau gratuite. Parce que peut-être dans quelques temps, nous n'aurons plus de ces eaux un petit peu polluées gratuitement, mais là, la vie éternelle, elle est gratuite. C'est à nous de dire, Seigneur, oui, là, mon cœur est ouvert. Pénètre dans mon cœur, dépollue ce cœur, déracine ce qui ne va pas et revivifie ce cœur par ton eau pure, ton eau vive, ton eau qui me remplit d'abondance. Que l'Éternel nous bénisse et que nous puissions à cette source, que nous puisons à cette source et laissons-la jaillir aussi pour les autres, parce que ce qui est bon, nous donnons aussi aux autres. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Amen. Je vous invite à vous mettre debout et nous allons prendre ensemble les paroles du hymne et louange numéro 494, Jésus doux maître. Sur moi.
Seigneur, nous voulons nous abandonner totalement à toi. C'est vrai qu'il y a des choses que nous retenons des fois, parce que peut-être nous nous disons, oui, nous sommes les meilleurs, nous savons, nous connaissons les choses, mais Seigneur, non. Toi, tu connais au-delà même de ce que nous connaissons. Alors je te prie, Seigneur, oui, détruis toutes ces choses qui ne sont pas de toi, qui sont en nous, Seigneur, et que nous puissions être purifiés par ton amour, par ton Esprit Saint, et que cette eau vive coule allègrement dans notre cœur et que nous puissions donner à ceux qui en ont besoin, Seigneur. C'est ce que tu nous as demandé. Alors, Seigneur, remplis-nous de ton esprit et que ton amour nous inonde. Seigneur, nous ne cesserons de te le dire, nous t'aimons. Mais Seigneur, toi tu nous aimes aussi. Mais pour cela, nous avons aussi besoin de te laisser prendre possession de notre cœur, de nos pensées, pour que nous puissions aller bien. Parce que c'est nous qui sommes ses porteurs. Si nous sommes mal, les autres ne connaîtront pas qui est Jésus-Christ. Alors Père, conduis-nous, garde-nous, fortifie-nous, vivifie-nous. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Amen. 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 Je ne suis plus esclave de la peur.
Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Car je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je veux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je veux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Car je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je veux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la. Je suis enfant de Dieu. Oh oui, je suis. Je suis.